Le contrôle fiscal. Tu devais envoyer le courrier recommandé à M. Jarron. Oui, je l'ai fait. J'ai pris la lettre, je l'ai mis dans l'enveloppe et je l'ai... Oh merde. Et tu le payes pour faire quoi, ton assistant, par des blagues de cul? Laura. Hervé. Café. Merci. Gabriel finit une toute petite réunion, il arrive. Non, Gabriel, non, tu ne peux pas toujours rattraper le coup. On a eu un coup de fil de Bercy ce matin, le contrôle fiscal est confirmé. Le dossier est passé dans un autre service, c'est trop tard. Sans Jarron, on n'a plus d'amis maintenant. Bon, mais c'est peut-être l'occasion de faire un peu l'ordre dans les comptes. Non, mais je te fous du monde. Alors pour toi, tout est léger, la vie c'est une grande plaisanterie, une grosse bulle de savon. Mais t'es con ou quoi? Je jouais bêtement, je ne savais que faire de mes mains, comment me tenir en scène, je ne contrôle pas ma voix. Vous ne connaissez pas cette situation, sentir qu'on joue abominablement? Vous souvenez-nous? Pas du tout, c'est pas ça. Je suis une mouette. Mais je préviens, mais est-ce que vous êtes arrivée? Vous souvenez-vous d'avoir tué une mouette? Un homme passait là par hasard, il l'a perçue, il l'a perdue par désœuvrement. Tchekhov, la mouette, acte 4. La réponse de Nina à Treplev. Merveille. J'adore. C'est ma scène d'entrée au conservatoire. Maman? Alors ça? Oui, Mathias, Nathalie Baye est arrivée. C'est normal que ça rentre pas, c'est difficile de travailler ici, il y a du bruit. Ce soir, chez vous, concentrez-vous bien. Vous allez voir ce texte, vous en souviendrez pour la vie. Merci. Bonjour. Pardon du retard. On avait une réunion de crise. Oui, petit contretemps. Ah, c'est une crise ou un contretemps? Gabriel a de la chance, pour lui, une catastrophe est un petit contretemps. On y va. Nora? Oui? Emmanuel, dis-lui de se tenir droit, moi, elle ne m'écoute pas. Gabriel. Gabriel. Beau sujet. Ah, mieux que ça, franchement, des scénarios de cette qualité, on n'en voit pas souvent. C'est dense, c'est tenu d'un bout à l'autre, toujours surprenant, mais cette femme a un univers incroyable. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas refuser. A priori, j'ai aucune envie de refuser. Laura Smet, vous êtes pressentie pour jouer dans le prochain film de Solveig Ackerfeld. Non. Mais c'est trop fou. Écoute, elle arrive à Paris demain, elle vient exprès pour te voir, personne n'est au courant, donc c'est une putain d'exclu. Il y a d'autres actrices sur le rôle? Non, il n'y a que vous. Personne à Paris n'est au courant de ce projet, les pauvres. C'est l'unique exemplaire disponible en France. Voilà, tu vois, on dirait 120 pages de papier reliées par un bout de plastique, mais je te jure, Laura, ça tue, c'est de la bombe. Voilà. J'ai hâte de savoir. Moi, je vais attendre Laura. Je crois que tu me dois un petit resto. Hein? Bon, j'aurais trouvé. Ben oui. Dis au revoir. À très vite, Nathalie. À très vite. Pour les dates de promo du Lecomte, ben, dès que je les ai, je vous les fais revenir. D'accord. Super, t'as putain d'exclu. Mais vous vous êtes pas concerté? Mais non. C'est pour le même rôle? Non, c'est pour jouer la mère et la fille. Ah. Mais tu crois que tu vas y arriver? C'est peut-être l'occasion de vous voir ensemble pour la première fois à l'écran. Ah, d'accord.
C'est vrai, ça fait longtemps qu'on attend ça. Non, mais c'est génial. Mais la réalisatrice, elle sait qu'on est vraiment mère et fille dans les deux. Non, 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 pas du tout. Elle est au courant de rien. Ah, chic. C'est rigolo. Bon, bah, hein, je t'appelle. Au revoir. À bientôt. Eska, bonjour. Au revoir. Où t'as eu le scénario? J'ai des informateurs et plus dix à qui les tient, apparemment. Laura a rêvé de tourner avec un café. Je suis battu comme un fou pour qu'elle soit sur le coup. Mais elle, pas toute l'agence. Et alors? Elle passe les essais, non? Il se trouve que Nathalie passe les essais aussi pour le rôle de la mère. Le hasard vient des choses. Ils sont ravis. Où est le problème? Mais le problème, c'est que tout le monde va encore croire que Laura a fait le film parce que c'est la fille de... Eh ben moi, j'ai pensé à l'agence. J'ai peut-être réussi à réunir pour la première fois au cinéma Nathalie et Laura Smet, et ça, c'est bon pour nous tous. Maintenant, tu voudrais bien m'excuser, mais j'ai encore du travail. Dominique, bonjour. Mathias Barneville. Comment vas-tu? Bien, bien. Écoute, voilà, je t'appelle parce que j'ai un petit service à te demander. J'ai la fille d'une amie, là, qui voudrait travailler dans le cinéma. Elle vient d'arriver à Paris, elle a 22 ans, elle connaît rien sur le métier, mais bon, elle est vive, dégourdie, et puis elle en veut. Moi, j'en veux plus de lâcher le PIB de la Somalie à cette boulangerie, là. C'est quoi ces prix? Bienvenue à Paris. Bah, ce serait formidable, ça. Camille Valentini. Ah, Mathias? Oui. Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider? Non, je cherchais un aéro, mais j'ai dû le laisser à la maison. Antoine, Sharon, tu n'as pas rappelé? Ah, bah non, t'as... Mais arrête, elle veut pas de toi. Elle rigole, dès qu'elle passe à Paris, elle m'appelle. Ah, oh, j'ai besoin de toi, tu vois. Arrête pas de me harceler, c'est bon, on est pas meilleurs amis. Hein. Merci de nous avoir attendu. Bah, désolée, je fais pas des pauses interminables, moi j'ai du boulot. Hein. On est invité à la soirée des Césars. Ah non, moi je suis pas invité. Bah, moi non plus. Mais jamais les assistants sont invités à la soirée des Césars, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi cette invitation? Ça vient d'où? Ah, mais non, je sais, c'est parce que... en fait, la dernière fois, avec Andrea, j'ai travaillé hyper tard. Et en plus, je lui ai réparé un petit chemisier qu'elle aime vachement. Du coup, c'est sûr, sans doute, elle a voulu me remercier avec une invitation. Et puis je lui ai filé une recette de pistou. Du coup, c'est pour ça, elle a dû vouloir... Je te déteste. Tu sais, j'ai peut-être une solution pour notre contrôle fiscal. Un nouveau cerveau pour Gabriel, je suis prêt à participer financièrement. J'ai un de mes ex qui a un poste important à Bercy. Un ex? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je peux essayer de lui parler, il pourra peut-être faire quelque chose. Comme quoi, coucher avec un homme n'aura pas été totalement vain. Vain, non, je suis ennuyeux. Appelle-le. On n'a pas vraiment le choix. Ok. T'en veux? Voilà, tu vas pas faire une grève de la faim chaque fois que Mathias te fait un sale coup, sinon on n'est pas sorti. Comment il a fait pour hors scénario? J'ai passé des heures au téléphone avec l'assistante de Sophie Carfeld. Elle m'a juré que j'étais le seul à l'avoir. T'as pas fait, toi, au moins? Ça va pas, tu me rends pour qui? T'entendrais pas à parler à Noémie sans faire exprès? Oui, c'est ça. Si je viens de balancer la planque du Christ à Judas sans faire exprès? Mais comment il a fait ce con, là? Parce qu'en fait, je fais une fac de cinéma. Ah ouais? Moi, j'ai un dans un court-métrage. Ouais. C'est drôle, hein? Ouais. Bon, je vais le chercher, j'arrive, hein? Okay. Donc, tu fais une fac de cinéma? Oui, oui. Oui, non, les livres cartridge joueurs, c'est juste pour payer mes études. Ah, d'accord. C'est le prochain film de Solveig Ackerfeld. Je peux jeter un œil? Ouais, enfin, c'est confidentiel, mais bon. Si tu me laisses ton numéro, je te tiens au courant. Ok, super. Hugo. Ouais. Moi, c'est Hervé. Enchanté. C'est joli, Hugo.
Voilà. Oui, bon, de toute façon, c'est fait. C'est fait. Ça n'a rien de ressasser. D'autant plus qu'on a plus d'urgence, on vient de recevoir ça de Caroline Dell. C'est les deux actrices qu'elle a choisies pour le casting et on a un problème. C'est qui, Sophia Leprince? C'est ça, le problème. Sophia? Oui? C'est vous qui avez mis votre photo dans l'enveloppe que je vous avais confiée? J'ai bien fait, puisqu'elle veut me voir, la meuf. Oui. Est-ce qu'elle, bonjour? Sophia. Bon, mais vous pouvez pas vous faire passer pour une comédienne de l'agence. D'accord? Moi, je sais comment vous jouez. Je ne vous représente pas. C'est une question d'éthique professionnelle, Sophia. D'accord, vous savez pas comment je joue? Non. Bah, vous venez voir mon spectacle, là. Vous savez quoi? Moi, il y a personne qui m'en propose à moi des castings. D'accord. Alors, pour une fois que j'en décroche un, c'est bon, vous me lâchez, là, maintenant. Hein? Pardon, vous l'avez pas décroché, vous l'avez volé. Vous avez dit voler, là? Oui, vous avez dit que j'ai volé quelque chose, oui. Moi? Oui. Non, non, moi, je me suis rajouté, d'accord? C'est tout. Je me suis rajouté. Vous voulez me voir ou pas, la directrice? Ah oui, mais c'est pas la question. Donc, c'est bien que ma gueule, elle lui a bu, d'accord? Qu'est-ce que ça peut vous foutre à vous, sérieux, que j'aille à truc? Après, d'accord, donc, pour m'utiliser, pour couvrir vos mensonges à Cécile de France, ça vous gêne mais pas petit, du tout, là. Mais petit mensonge. Mais comment? Je vous demande une mini faveur, là, il y a des principes. Ouais, là, vous vous calmez, d'accord? Vous calmez, d'accord, hein, d'accord, Sophia? D'un coup, vous avez des scrupules. Ouais. C'est toujours une histoire, de toute façon. Allô, Laura? Gabriel? Oui. Gabriel, on en entend parler, là. Gabriel? Oui. Une fois tous les 5 ans, je vous demande de venir voir mon spectacle, il n'y a personne qui vient, quoi. J'ai demandé à Barneville, j'ai demandé à André, même la vieille avec son hiage. Attends, il n'y a personne qui vient. Une petite seconde, hein. Vous en avez, okay. Vous en avez c'est bon, stop là, c'est bon, je viens le voir votre spectacle là. Ok? Vous me dites que vous allez venir, vous n'allez pas venir, c'est tout la même chose. Juste, vous me laissez finir ma conversation, vous êtes gentille. Merci. Vous allez venir le voir, c'est ça. Promesse d'agent. Oui, Laura. C'est bon là? Je suis à toi. Donc, c'est quoi le problème? T'aimes pas le scénario? J'adore. Imagine, 3 mois de tournage, soit sur un chalutier, soit sur une île, en pleine mer. J'ai peur de pas pouvoir arriver là. Mais non, mais t'inquiète, je connais un super acupuncteur pour le mal de mer, il a fait l'Odyssée de Pilleur. Non, mais je te parle de la mer, Gabriel, je te parle de ma mère. 3 mois, c'est fermé avec ma mère. Tu connais un acupuncteur aussi pour ça? Je comprends pas, je croyais que t'étais emballée de jouer avec elle. Oui, mais je l'adore, c'est juste que je sais pas si je peux vivre avec elle 24 heures sur 20, toutes les deux enfermées dans un bocal d'or enfumé. Non, écoute, franchement, j'ai de bol là quand même, hein. Non, non, mais écoute, attends, quand t'auras parlé avec Ackerfeld, tu verras les choses différemment. Au contraire, si elle est aussi géniale que je pense, ça va être encore plus dur de renoncer. Attends, mais Laura, non, mais tu peux pas dire non, là. Clément, ah, ça me fait plaisir de te voir. Andrea. Alors, ça fait quoi? 7 ans, non? Ouais, presque, 10. Ah ouais, tant que ça. Ça passe, hein? Tu m'étonnes. Alors, dis tout, qu'est-ce qui t'amène? Oui. Pardon, tu dois pas avoir beaucoup de temps. J'imagine que je suis pas la première ni la dernière à te solliciter pour ce genre de truc, mais bon, on a quand même échangé nos fluides corporels, on est plus à ça près, hein. Contrôle fiscal? Oh, ouais. Enfin, c'est pas moi, c'est ma boîte. Je suis agent, maintenant, tu sais. Agent d'accord, ouais. C'est célèbre. J'ai appris ça, ouais. C'est super, ça doit être excitant comme boulot, non? Ouais. Qui fait le contrôle? Une femme. Attends, je vais te dire... Excuse-moi. Colette Brancillon. Ah bah t'as de la chance, je la connais. Par contre, beaucoup moins de chance avec le profil de la bête, hein. Jeune, donc très zélé, au la hiérarchie, parce qu'elle a tout approuvé, perfectionniste, ultra légaliste, c'est pas très très bon pour vous ça, hein. C'est même pas bon du tout. Et tu penses que tu peux faire quelque chose? C'est très compliqué. T'aimes toujours le cinéma? Je t'écoute. Accréditation à Cannes, pendant toute la durée du festival. Mmh. Invité aux meilleures fêtes sans faire la queue. Mmh. Logé au Carlton. Dans une suite? Bon, attends, Clément, je sais que t'as grandi dans les Hauts-de-Seine, mais là, je suis pas en train de te racheter un marché public. Je te demande juste un service, entre vieux amis. Entre vieux amis, non, je crois pas, non. Je te rappelle que tu m'as comme largué comme une mère pour aller coucher avec ma sœur, donc si tu veux bien, un, on n'est pas, d'accord, du tout, et deux, tu pars de très loin pour que je te rende un service. Je t'ai pas largué comme une merde, ah je ouais quand même envoyé un texto. Très bien. Reçu. Salut, Andrea, bon courage, hein, pour le contrôle. Bon, attends, Clément. Clément, attends. Ok, pour la suite au Carlton. Une invitation pour la soirée des Césars. Ok. Bon, on peut pas faire annuler le contrôle, mais je me débrouiller pour essayer de remplacer Colette Brancillon par quelqu'un choisi par les soins et qui donnerait de bonnes consignes. On peut faire ça vite. Dans une semaine. Et si elle débarque d'ici là, on fait quoi? Eh ben, vous l'accueillez gentiment et puis vous l'oubliez. Dans une semaine, ce sera même qu'elle a existé. Ok. Papa. Merci pour l'invitation. Ah, c'est rien. Bah quand même, mais c'est en quel honneur? En particulier, je me suis dit que ça te ferait plaisir d'assister à ce genre d'événement, et puis c'est bien que tu vois autre chose, que tu rencontres des gens du métier.
qu'il y a? Je sais que tu mens. Quoi? De quoi? C'est Mathias qui t'a invité à la soirée des arts, je l'ai vu déposer l'enveloppe sur ton bureau. Si tu vas pas commencer avec ça, je couche pas avec lui, je vais pas coucher avec lui, je coucherai pas avec lui. Tu saoules Noémie. Ah, et alors pourquoi il t'invite toi alors? Mais que, ils se sont parlé avec Andrea, ils se sont... C'était bien, moi, que j'aille, comme je suis nouvelle, à ce genre d'événement, c'est tout. Ah, tu vois? T'as cligné plusieurs fois des yeux et t'as regardé en haut à gauche. Quoi? Tu sais ce que ça veut dire en langage corporel? Ça veut dire que tu mens. Et puis ça va, hein, je connais Mathias, il fait jamais rien comme ça. Hein. Ok. Ah, c'est bon. Non, mais attends. Attends, Sophia m'a rappelé que le jour de ton arrivée, avant de voir Andrea, t'avais rendez-vous avec Mathias. Donc, tu le connais. Tu le connais personnellement. Attends. Attention. Je suis pas sûre qu'Andrea continuerait de te faire confiance si elle apprenait que tu l'espionnes au profit de Mathias. Tu comprends? Ok. Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est parce que c'est l'ami de mon père. Mais tu mens. Non, je jure. Mais attends, c'est complètement nul pour que je l'aurais pas dit depuis le début. Parce que je peux pas dire qui est mon père. Il est marié, il a une famille, il a des enfants. Il y a que Mathias qui est au courant. C'est une star de l'agence? Ouais. Un client de Mathias? Ouais. C'est qui? Non, je peux pas dire. Ah non, mais je balance tout à Andrea, l'ami. Non. T'es la fille de Christophe Lambert? Voilà. Oh! Ah non, mais... Oh, oh la vache. Mais c'est vrai que tu lui ressembles, en fait. Je suis vraiment désolée d'avoir cru que... En plus, tu sais que j'adore ton papa. Et Il vient pour toi. Ah bah oui, non mais bien sûr, c'est... Ce sera notre petit secret, c'est ça. C'est heureux, ils sont soumis à des vies hors normes. Nous, on est juste des agents, vous savez. C'est ça, on est pas prêts. Non, pas du tout. Andrea, je te présente la dame de l'inspection des impôts. Bonjour, Andrea Martel. Colette Brancillon. Je vais avoir dans un bureau le temps de ma mission. Notre patron est décédé il y a 3 semaines. Ça, le contrôle fiscal, on est un petit peu déboussolé. C'est fou, j'ai vraiment l'impression de vous connaître. Non, je vois pas du tout. Bon, bah, c'était dans une autre vie, alors. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, merci. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un bureau qui est juste là. D'accord, voilà. À plus tard. Allô, Clément, salut, c'est Andrea. Écoute, finalement, je crois qu'on va s'arranger avec Colette Brancillon. Donc, oui, pour ce qu'on s'était dit, voilà. Et Anne, c'est ta sœur pour moi. Ciao. Mais alors, il va falloir se farcir cette Colette Brancillon là pendant des semaines. Bah ouais. Et risquer d'en coûter. C'est beau, là. Eh ben. C'est pas gay. Non, pas gay. Non, c'est pas gay. Salut. Quel scénario, hein? C'est fort. Non, mais c'est dément. C'est une grande chance. Hein. Bon, on va pas avoir chaud. Hein. Ça, c'est sûr. Et toi qui es si frileux, ça te fait pas peur, ça? Non, pas du tout. Je crois que ce froid, ça peut créer un truc fort. Mais t'as vu, il n'y a pas une scène où on n'est pas toutes les deux. Hein. On est quand même beaucoup ensemble. Bah, je crois que plus ensemble, en fait, on trouvera pas. Oui. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça Nathalie. Va. Laura. Bonjour. On peut y aller? Oui, bien sûr. C'est possible de se voir 3 minutes avant le rendez-vous. Oui, bien sûr. Et moi aussi, Gabriel, on peut se voir 2 secondes, là. Oui.
Bon, allez, dis-moi tout. Tu te vois, toi, partir 3 mois en croisière avec ta mère? Non. Non, non, tu connais pas ma mère, ce serait... C'est... Mais... dans le contexte, Laura... Si moi, j'étais toi, avec ma mère, en l'occurrence avec ta mère, enfin, si ta mère, c'était ma mère, non, je... Ouais, laisse tomber. Impossible. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Je pensais pas que ça poserait un problème. Vous avez l'air de vous entendre si bien. Mais justement, Mathias, on s'entend bien. Mais si vous laissez une mère et une fille dans un endroit isolé pendant 3 mois, elles s'entretuent. C'est pas moi, elle, c'est valable pour le monde. Mais c'est exactement le scénario d'Ackerfeld. Oui, c'est ça qui est beau dans le scénario. Je veux bien le jouer, mais je veux pas le vivre. Vous allez refuser un projet pareil, Nathalie, quand même. C'est même pas la peine d'y penser. Mais vous n'avez pas de fille, vous ne pas comprendre. Tu te souviens quand je me suis cassé la malléole? L'été 2011. L'histoire de Pauline avec sa petite nièce? Oui, je me souviens, oui. Elle n'a pas vu bosser le pipe en 2 mois. Du coup, je suis retournée vivre chez ma mère. L'enfer. C'était l'horreur. L'ado est revenu au galop, on aurait cru qu'elle avait 13 ans. J'avais l'impression d'avoir 12 ans. On pouvait rien lui dire. Elle s'en rendait pas compte. Elle en avait rien à foutre de rien. Alors forcément, j'ai pété les plombs. Ça a dégénéré. On s'est dit des trucs horribles. Jusqu'à Noël. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mathias, croyez bien, c'est pas de gaieté de cœur. Mais je vais pas sacrifier ma relation avec ma fille pour un film. Même s'il est formidable. On dit non alors? Oui. Non. Autrement, Laura va croire que je veux pas jouer avec elle. C'est pas possible, ce serait horrible. Ta mère va comprendre que c'est à cause d'elle. Ça va lui briser le cœur. Mais oui, t'as raison, je peux pas refuser. Hein. Mais oui. Mais tu peux faire en sorte qu'elle, elle te refuse. Qui? Solveig. Mais t'es con, quoi, toi? Mais Solveig a flashé sur elle. On va pas tout gâcher, non? Il suffit que tu la bardotes. C'est quoi, ça? Truc sexuel? Mais non, tu la bardotes, tu fais des caprices de comme Brigitte Bardot, tu joues la chieuse, quoi. Oh, t'arrêtes, Hervé, hein? Pardon, Non, mais elle va pas faire ça, se griller. Mais pas du tout, c'est juste Ackerfeld qui déteste ça. Pour les autres, c'est les actrices capricieuses. Arrêtez de trahir, ça saurait. Hein. Non, bon, Laura, n'écoute pas ce qu'il dit, c'est ridicule. Non, mais très mauvaise idée, là. Tu parles à la bardoter, enfin, c'est... Pardon de vous déranger, Madame Ackerfeld. Vous voulez boire quelque chose? Non, je vous remercie. Vous êtes sûre? On a du café, voluto, des cartes cappuccino, des verres, des fumées, jus de fruits. Un verre d'eau? Non, Nathalie, vous n'allez pas faire ça. Bien sûr que je vais le faire. Non, mais c'est impossible. Puis vous saurez faire. Mais qu'est-ce que vous croyez, mon cher Mathias? C'est un texte très poétique, ça me bouleverse. Bon, allez, j'y vais. Mais c'est toi qui veux partir. Personne ne t'y oblige. Mais pars. Pars. Va-t'en, si c'est ce que tu veux. Mais sur toi, je ne suis pas surprise. Depuis que tu es petite, je savais que ce jour-là allait arriver. Tu as toujours aimé le vent? Tu partais en courant avec ta belle robe bleue qui flottait dans la brise. Je préférais que vous restiez le plus sobre possible. Vous pouvez essayer sans mettre trop de tragédie. Quelque chose de plus blanc. Mais c'est toi qui veux partir. Personne ne t'y oblige. Mais pars, 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 si c'est ça ce que tu veux. Mais rassure-toi, je ne suis pas surprise. Depuis que tu es petite, je savais que cela allait arriver. C'est plus blanc, là. Vous m'en voulez? De quoi? D'être une bonne comédienne? À
Alors, la voie est libre. Elle est à vous. Ça s'est bien passé? Magnifique. Ouais, je suis soulagée. J'en étais sûre. Bon, on y va, Gabriel? J'ai besoin de plonger l'émetteur dans le climat du film. Là, c'est l'isolement qui m'intéresse. Cette mère, cette fille, créé ensemble, fusionnel sur l'île de Bergman. C'est une bombe à retardement. C'est bien ce que je me disais. C'est l'intimité. Le magma des mois. Ouais. J'avais demandé un thé. Un thé aux fleurs de l'Himalaya. T'es sûr? Totalement sûr. Hervé, s'il te plaît, Laura voudrait un thé aux fleurs de l'Himalaya. Merci. Votre thé, mademoiselle Laura. Avec un doigt de lait d'intense, comme vous aimez. Oui, hein, mais pas trop infusé. La dernière fois, il était brûlé. Encore désolée pour la dernière fois, ça ne se reproduira plus. Ok, c'est bon, là? Bien sûr. Pharrell? Hi, Pharrell! C'est Pharrell Williams. Hey, bitch! Hello, Pharrell! How are you? Listen to me. I just wanted you to come to my concert tonight. You peux? Great, okay. It's just à New York, tout à l'heure, 9h. Oh, okay, oh, wait. J'avais une répétition avec John Malkovich ce soir. Oui. Oh, bah, tu pourras dire que je suis malade, je vais pas y aller. Great, okay, I'll be there. Great, Laura. Bye. Bye, bye, bye. Laura, c'est Gabriel. Bon, j'ai eu l'agent de Solveig Ackerfeld. Alors, tu vas être contente, elle se demande si t'es pas un peu trop belle pour le rôle. Voilà. Ouais. Bah, elle pouvait pas dire trop chiante, alors. En bref, ils te veulent plus. Donc, ça y est, t'invites à des soirées maintenant. Mais non, c'est les uns, maman, c'est exceptionnel. Mais donc, ça y est, tout le monde est au courant à ton travail. Mais non, personne n'est au courant, ça va pas. C'est strictement professionnel. Toi? Il passe te chercher? Non, j'y vais en métro, on se rejoint là-bas. La classe, hein? Eh, maman, c'est déjà super sympa de ta part de m'inviter. Il n'y a aucun assistant qui va. On sert en pleine dure pour voir. Je peux pas respirer, là. Mais non, attends, mais laisse-le, ça te fait des formes splendides. Recule un peu que je te vois. C'est pas vulgaire? Qu'est vulgaire, en fait, c'est pas vulgaire chez les Valentini. Oui, bah, tu sais, à Paris, les filles, elles ont le style plus subtil, je sais pas comment elles font. Bah, c'est ça, elles mangent des graines, elles font la gueule, voilà, c'est tout, elles auraient compris, je te dis. Ouais, ok. Bon, allez, j'y vais, tout même. Bon, bisous, ma beauté, ouais. Hein. Tu prends des photos de stars, d'accord? Ouais, on verra ça. Et Camille, n'attends rien de lui. Mais non. Bon, et tu prends pas trop? Mais non. Et tu prends pas de cocaïne? Mais non, j'ai rien du tout. Allez. Oui. C'est toi qui as tous les acteurs, moi j'ai pas grand chose. Mathias, c'est une dingue, salut. T'as des nouvelles pour le Galienne? Il cherche un portugais maintenant. Mais c'est super, moi j'avais le portugais avec Danny Boone pendant 6 mois au théâtre. Non, non, mais il cherche un vrai portugais. Attends, tu m'as bien vu, je possède l'accent, j'ai pendant 6 mois, regarde, je parle portugais, je pense portugais. Tu sais quoi, on s'appelle lundi, on en parle, on essaie de voir comment on peut arranger ça. Mais je fais un essai même s'ils veulent. Okay. Camille. Ah, bonjour. Ça va? Je te présente, Dominique Besnier, producteur. Enchanté. Ravi. Bonsoir, Rémi. Mathias m'a beaucoup parlé de vous.
Bon, en bien, j'espère. Absolument. Alors comme ça, vous voulez découvrir les plateaux de cinéma? Carrément. C'est mon rêve. Eh bien, ton rêve va se réaliser, la SMIC. Mais oui. Vous m'invitez sur un tournage. Tout ça, je vais vous proposer comme stagiaire sur le prochain film de Guillaume Gallienne. Ah bon? C'est la personne qu'il te faut, Dominique. Je suis pas sûre. Si, tu veux pour ça. Bah, c'est comme si c'était fait. Voilà ma carte. Merci. Appelez-moi au bureau et je vous verrai. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vachement réfléchi cette nuit. Ah bon? T'as réussi à réfléchir avec tout ce que t'as bu? Ouais, bon, plutôt ce matin, ok. En fait, je vais pas voir Dominique Besnier. Pourquoi? C'est un très très bon producteur. Oui, non, j'en doute pas, mais je suis bien ici. Pas envie de partir. Écoute, Camille, tu me dis que tu veux faire du cinéma, aller sur le terrain. Je veux apprendre le métier d'agent. Je sais que j'ai pas fait d'études et tout, mais je peux apprendre. Puis si c'est trop compliqué pour toi que je sois ici, tu me le dis. J'irai chercher du travail dans une autre agence. T'imagines, je suis super mal vis-à-vis de Nathalie. Mathias, Gab, ouais. Comment ça se passe, toi, le casting à Kerfeld avec Laura Smith? Ça va. Ça va pas mal, ouais, pas mal du tout. Bon, allez, je prends de réponse, mais ça sent bon. Bon, bah, tu vois, on a peut-être encore une chance de sauver l'honneur. Elle a dégagé Nathalie Baye. Tu crois ça? Non. Ouais, je te jure. C'était quoi déjà, le problème? C'est pas très clair. Elle a fait trop de propositions. Ça n'a pas dû plaire à Kerfeld. Non, mais n'importe quoi. Hein. Nathalie Baye. Attends, ils sont complètement dingues. De toute façon, moi, j'ai toujours trouvé chelou cet Kerfeld. T'es sûr? Sinon, c'est pas très prestigieux, l'agence, hein. Enfin. Bonjour, bonjour. Alors, il y a déjà eu plein d'appels. Antoine Decaune qui a des problèmes de date de tournage, c'est urgent. Béatrice Dalle, elle, c'est un problème bancaire et c'est aussi urgent. Et puis, bon, bah, il y a Isabelle Adjani, elle a un problème de cheveux et c'est urgentissime. Je t'appelle qui en premier? Solveig Ackerfeld. Non, désolé, j'ai pas ça sur ma liste. Elle prend pas Nathalie Baye. Ah bon? C'est moche. Ah ouais, c'est moche. Ouais, ce qui est surtout très moche, c'est que t'es poussé Laura à la barre d'hôtée, pour rien. Et que maintenant que Nathalie fait plus la mère, Laura peut faire la fille. Je suis virée? Oui. Je suis désolé. Je suis vraiment virée, Gabriel? Mais non, je te bardote. Oh putain. J'ai presque cru, c'était horrible. Mon sang s'est figé dans mes veines. Hey, t'as besoin d'un coup de main? Pardon, j'ai peur. Non, non. Vous voulez quoi? Putain, c'est bon, je vais me débrouiller. Bah, vous voulez quoi, Tite? Un café allongé. Bah ouais. Pardon. Je vais vous l'allumer. C'est une Delta Q. Vous connaissez? En fait, faut juste attendre qu'elle soit chaude, et puis après, on voit qu'elle est bien chaude. On lui fait une petite caresse, comme ça. Voilà. C'est marque portugaise. Ah mmh. Dans tes couches. Solveig, allô? Allô, Solveig? Oui. Bon, Gabriel Sarda, l'agent de Laura Smith à l'appareil, bonjour. Vous avez dû être un petit peu déstabilisé par le comportement de Laura l'autre jour. Déstabilisé? Non. Elle m'a juste donné envie d'arrêter ce métier. Oui. Effectivement, j'aurais dû vous prévenir, je m'en veux. Prévenir quoi? La balle dans le pied. Balle dans le pied? Oui, la balle dans le pied, c'est une expression française. C'est une espèce de tradition chez les acteurs. Quand ils veulent le rôle, ils se sabordent. C'est savoir si on les aime vraiment. C'est comme une espèce de dogme, en fait. Vous savez comment sont les Français, grands romantiques, et ils veulent créer le désir, en fait. Oui, j'entends, c'est effectivement un mécanisme un peu particulier, oui, mais ils font tous ça. Jean Dujardin, par exemple, dans The Artist, bah, les essais, il y a parlé, à déblatérer comme une espèce de moulin, alors qu'il s'agissait d'un rôle muet. C'est cocasse, quoi. Parce que... Malkovich. Balle dans le pied. Test. Elle a voulu vous tester. C'est comme une mise à l'épreuve réciproque, en quelque sorte. Voilà, savoir si vous la désirez vraiment, c'est la question. Mais revoyez-la. Juste une fois, vous ne serez pas déçus. Solveig, je vous en supplie. Ok. Voilà. Réfléchissez. Tu veux dire qu'on doit encore aller à la salle de réunion? Mais on bosse où, nous, alors? Dans le local à poubelle? À Kerfeld, de revoir Laura Smith. C'est normal de lui laisser une place, hein. D'accord. Excusez-moi, faire mon boulot et de trouver des contrats d'exception pour l'agence. Mathias,
Madame Ackerfeld vient de rappeler, elle veut revoir Nathalie bien. Non. Si, elle veut revoir Laura et Nathalie ensemble avant de prendre son avion parce qu'elle a un doute. Elle a parlé de balle ou de ballon de pied. J'ai pas bien compris. Ah, bah les affaires reprennent. Non mais c'est fou, j'ai vraiment l'impression de vous avoir déjà vu. Je vais vous donner un indice. Ah, bah je savais bien. Deux points, ouvrez les guillemets. Moi, je couche pas avec les fillettes dans ton genre. Et moi, j'aime pas les fillettes dans ton genre. Ah ouais, mais alors là, c'est un malentendu. Bah, c'est quand même de l'écrit, ça. J'aurais dû au moins finir par un smiley. Bon, bah, Colette, on a complètement raté notre première rencontre. Laissez cette porte ouverte, s'il vous plaît. T'es vachement plus jolie en vrai qu'en photo. Non, là, c'est... Vous essayez de vous rattraper parce que vous savez maintenant que je peux venir à votre agence. C'est assez minable. Non, pas du tout. Je pense vraiment. Et moi, je mélange pas le travail et la vie privée. Voilà, c'est mon côté fillette, vous voyez. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît, ou je crie. Non, mais attends, j'ai pas de faire de mal. Non, mais je veux juste qu'on parle un peu. Enfin, je sais pas, c'est pas habituel comme situation, non? On peut en rigoler. Moi, j'ai envie ni de jouer, ni de rigoler. Voilà. Et je déteste quand les clients essayent de faire ami-ami pour sauver leur petit intérêt. Bon, allez. Mais qui parle de devenir ami? Au revoir, Madame Martel. Au revoir, Colette. Je voulais vous dire... Vous êtes formidable. La balle dans le pied, formidable. Je vous veux toutes les deux. Oh, pour mon film, j'ai beaucoup de désir pour vous. Vous voir réunir toutes les deux, c'est très beau. C'est tact. Et votre désir? Oui. Ben pour le film, votre désir. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ah oui, Claude, ce n'est pas un tournage facile. Heureusement, je peux me servir de votre amour, mais aussi de votre haine. Pardon? La haine que vous avez l'une pour l'autre. Cette réticence de l'autre, cette détestation, elle est palpable, hein, je sens. Ça m'inspire énormément. Si, vous n'avez aucune envie de jouer l'une avec l'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que vous allez jouer ensemble. Tu veux pas jouer avec moi? Mais enfin, pas du tout. Dis la vérité. Bah, enfin, non. Et toi? Tu vas jouer avec moi? Non, mais attends, change pas de sujet. Je t'ai posé la question, Romier. Mais ça va, tu veux pas me répondre, ça veut tout dire. Tu veux pas jouer avec moi, j'ai compris. Ok, mais toi, t'es ma mère. C'est monstrueux. Ah oui? Et d'être rejeté par la chair de sa chair, c'est mieux, peut-être? Mais c'est quoi le problème? T'as honte de moi? Comme quand je t'accompagnais au collège, c'est ça? Alors ça dure toute la vie, ce truc-là? Il faut toujours que tu parles à ma place, hein. J'ai jamais dit ça. J'aurais passé tout le tournage à me faire traiter comme une gamine de 10 ans. Tiens-toi droite. Voilà, je veux ça. Je veux cette vérité-là. La mère monstrueuse et la fille insupportable. Mais de quoi vous parlez? Mais ça va pas, non. Je vous interdis de dire que ma fille est insupportable. Elle n'est pas du tout insupportable. Et ma mère n'est pas monstrueuse. Enfin, mais si je peux pas m'engueuler avec ma mère, avec qui je vais m'engueuler? Évidemment, la famille, c'est de là pour ça. C'est de là pour s'engueuler, c'est pour tout se dire. Mais enfin, de quoi je me mêle? Mais c'est incroyable, ça. C'est ma mère. C'est normal qu'elle me saoule. Mais évidemment que c'est normal que je la saoule. C'est très bon de s'opposer à sa mère. C'est très sain. C'est très sain. Je fais le cinéma, moi. Pas la psychanalyse. Alors? Elle s'en fout. Top. On fait pas le film. Bon, allez, à bientôt. À bientôt. Je t'appelle. Ah, beau gâchis. Si vous vous étiez un peu parlé entre vous, on en aurait peut-être placé une sur les deux. Allez, salut les gars.
Les concours de Zizi, si c'est pas dans mon lit, ça m'intéresse pas. J'espère qu'un jour on arrivera à faire un film ensemble. Tiens-toi droite. Je peux vous donner mes justificatifs ? Oui. Madame Martel. Oui. Je vais pas avoir besoin de ça. Ah bon ? Des résultats médicaux, analyse de sel et d'urine. Ah oui. Pardon, ça te fait traîner sur mon bureau. Au revoir, Madame Martel. Oui, au revoir. T'es angoissé à cause du contrôle fiscal, hein ? T'aimes pas quand les choses t'échappent, hein ? Eh oui, t'es une femme de pouvoir, Andrea, c'est ça. Bon. Tu veux dîner ? Petit dîner. Non, je vais rentrer. Merci. Ouais. T'as raison. À demain. Disparaître. Comme il le fait chaque soir. Elle est partie. Ses pas se multiplient, remplissent l'espace ailleurs. Tu es partie. Ici, l'espace se vide. Tu as laissé place à l'absence. Sans elle. Je suis maintenant sans elle. Elle reviendra, soyez-en sûr, mon prince. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Il ne sait rien. Personne ne sait. Laisse le doute nous prendre par la main. Nous vivons à 10 ans d'écart. Notre amour est démesuré. Et j'ai le cœur au désespoir pour ces années. Car lorsque mes yeux seront clos, d'autres yeux vont te contempler. Aussi je lutte avec ce mot de ma pensée. Qui, sans que tu protestes, refera le geste. Qui ne sont qu'à nous. Qui aura la chance d'avoir ta présence. Souvent quand j'y pense, je deviens jaloux. Une prisonnière qui chante, voilà qui est original. Et touchant. Plier, mater, plier. Je ne plierai pas. Plier, doter, au pied. Je ne resterai pas à vos pieds. Tu vois, au fond de moi, j'entends que là. Et cette présence lointaine me donne de la joie. Le jour va paraître. Demain et toujours. En fait, j'arrive toujours pas à croire que vous soyez venu, quoi. En plus, moi, je vous ai vu que pendant les saluts, donc j'ai halluciné, quoi. Et d'ailleurs, ceux de la troupe, vous les trouvez comment ? Ils sont bien, hein ? Ils sont bien, ouais. Ouais. Bien, 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 ici. Ouais. Enfin, c'est surtout vous. Non, vous êtes clairement au-dessus de la mêlée. C'est magnifique ce que vous avez fait ce soir, vraiment. Merci beaucoup. Merci en tout cas à Gabriel de m'avoir accompagné déjà. Et,
Et surtout, merci d'être venu. Vraiment. Mais c'est moi qui vous remercie parce que vraiment... Ah, vous êtes une actrice, quoi. Merci beaucoup. À demain. Oui. D'accord. Oui. Alors, au revoir, Gabriel. Ouais. Au revoir. Sophia ? Oui ? Je veux bien être votre agent. Je veux bien m'occuper de vous. Vous êtes sérieux ? Oui. Mais vous savez, moi, je travaille pas beaucoup. Vous allez crever de faim avec moi. C'est, non, mais je sais. Justement, je vais vous aider. On va en trouver du travail. D'accord. OK. Qu'on soit tranquille. J'ai été sidéré quand j'ai appris que Samuel vous avait rien laissé. Mais quand même, un minimum, quoi. Surtout toi. T'as fait toute ta carrière chez ASK, puis rien. Aucune reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux, François ? Je veux que tu nous rejoignes chez Stanguia. J'ai 61 ans, je vais pas m'éterniser. Je voudrais que tu viennes chez nous et que tu te prépares à reprendre la tête de l'agence. Et tes agents, t'as tout ce qu'il te faut sur un pour te succéder. Personne comme toi. Personne avec ta force de frappe et ton envergure. Que je vous rejoigne. Avec tous mes clients, bien sûr. Évidemment. Ce qui ferait de Star Media la plus grosse agence de Paris. Tu pourrais à court terme devenir le patron. Et ce serait la mort d'Aïssa. Prends ton temps pour réfléchir. Tu sais où me trouver.